Le sens du toucher du bébé se développe dans le ventre de la maman avec l'englobement et la pression du liquide amniotique. La paroi utérine lui permet aussi de se sentir en sécurité et d'exercer ses muscles. Avec les bébés admis à l'unité néonatale, il est préférable de privilégier un toucher englobant et de légère pression. Des balises peuvent également être utilisées pour imiter la paroi utérine. Il est aussi recommandé de reproduire la position fœtale, soit les bras et les jambes légèrement fléchis, les mains près de la bouche et le dos légèrement courbé. Les grands principes du toucher sont l'englobement, la pression et les balises. L'englobement. Englobez deux parties du corps de votre bébé alors qu'il est en position fœtale. Cela peut être par exemple une main sur sa tête, l'autre sur ses fesses ou sur son haut du corps, etc. Soyez attentif au comportement et aux réactions de votre bébé pour connaître ses préférences en matière de toucher. Dans ce cas-ci, Milan étend légèrement son bras, ce qui représente un signe de stress du sous-système moteur. Ceci indique à papa qu'il doit encore lui donner un peu de temps pour se calmer et revenir à son état initial. Privilégiez les paumes plutôt que le bout des doigts afin que votre bébé se sente englobé et non agacé à un endroit précis de son corps. Vous pouvez toucher votre bébé en entourant son corps de votre avant-bras et en déposant l'autre main sur son corps. Vos bras, ainsi positionnés, font office de paroi utérine. Vous pouvez également déposer une couverture sur son corps et sous vos mains afin d'optimiser l'effet d'englobement. La pression. Déposez vos mains sur le corps de votre bébé en exerçant une légère pression et sans faire de mouvement. Évitez l'effleurement, les massages superficiels, les chatouillements, etc. Les balises. Placez des rouleaux près de son corps afin de l'aider à conserver une position fœtale enveloppante et sécurisante. Placez des rouleaux tout autour de lui pour créer un nid de positionnement. Cela lui permet de se sécuriser et d'exercer ses muscles lorsqu'il rencontre les rouleaux placés autour de lui. Vous pouvez même terminer avec un outil de positionnement, si disponible, qui donne un effet de pesanteur et d'englobement pour votre bébé. Ceci l'aidera à se sécuriser et à retrouver un calme.